Coucou les petits loulous! Aujourd'hui, Émilie, Zou et les œufs de Pâques. Zou a invité Zach et Elzé pour l'aider à chercher les œufs de Pâques dans son jardin. La chasse est ouverte! Qui des trois amis parviendra à trouver le plus de trésors? Zou et les œufs de Pâques. Aujourd'hui, c'est Pâques. Zou a invité Zach et Elzé pour la chasse aux œufs. Pour l'occasion, Zach s'est déguisé en lapin. Les lapins sont les plus malins pour trouver le chocolat, dit Zach en arrivant. Papy et mamie appellent les enfants. Écoutez! Les cloches sont passées, annonce papy. Je suis sûre qu'elles ont apporté de jolis œufs de Pâques, ajoute mamie. En route pour la chasse aux œufs, lance Zou à ses amis. Les trois zèbres se mettent à fouiller partout dans le jardin. Je suis sûre qu'il y en a un dans le garage de papy, pense Zou. Il ouvre la porte, mais il ne voit pas la moindre trace de chocolat. Zach et Elzé n'ont toujours rien trouvé non plus, mais ce n'est pas grave, c'est très rigolo de chercher des œufs. Je vais regarder de ce côté, s'exclame Elzé. Attends, je viens avec toi, dit Zach. Ça y est, dit soudain Elzé. Un œuf! Après Elzé, c'est au tour de Zach le lapin de débusquer un trésor. Ça y est, j'en ai trouvé un aussi! De son côté, Zou, qui était jusque-là malchanceux, fait enfin une grande découverte. Trois œufs! J'en ai trouvé trois! Les amis rassemblent leurs friandises. Un, deux, trois, quatre et cinq, compte Elzé. Comme ça, il y en aura même pour papy et mamie, s'exclame Zou. Papy, mamie, les cloches ont pensé à vous. C'est très gentil, dit papy. Vous avez mérité un bon goûter. C'était une super chasse aux œufs, s'exclame Zou. Merci les cloches! S'écrient les trois petits zèbres en chœur. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi!